ça se déclenche tout ça. Ici à Chambéry, je sais pas encore trop, on le commence à le découvrir, mais en gros, en général, t'as un peu trois attitudes. T'as une première qui est plutôt contemplative, des gens qui restent à l'extérieur, à distance, etc. Après, t'en as une deuxième, c'est plutôt les enfants d'abord, qui captent assez vite qu'on peut jouer avec, avec le côté interactif, et qui consiste tout simplement à venir parler à l'oreille de chacun de ces podcasts. Puis après, t'as des gens qui comprennent que derrière, quand tu commences à les activer en fait, à les faire parler, ils te racontent des histoires. Une proposition d'un collectif qui s'appelle l'ADN et du coup qui est une installation interactive, lumineuse et participative. Qu'on a donné rendez-vous aux Chambériens à partir de 21h, place du Palais de Justice, en disant voilà, le BAM vous prépare une surprise. Envoyer un message tout à l'heure pour me dire qu'il y a quelque chose de Palais de Justice, donc il faut venir voir. On leur tape à côté de l'oreille et quand on leur parle, soit près des hanches, soit près de l'oreille, ben, ils nous répondent et racontent des histoires sur Chambéry. Plein de monde qui s'approchait des mannequins, des mannequins, qui leur parlent, qui les touchent, qui essayent de les faire réagir, la lumière, tout ça. J'avais envie de marquer vraiment le coup dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées. Et c'est vraiment un projet qui parle de la ville, qui parle des gens. Le collectif de l'ADN, ils ont rencontré une vingtaine de Chambériens de 9 à 90 ans et ont fait des interviews sur cette notion justement de la ville. Après, ils ont utilisé ces interviews pour construire cette installation. Donc, chaque personne est restée à peu près une heure et quart avec la personne qui l'enregistrait, mais on n'avait pas l'impression. C'est une conversation, parler un peu de tout. Le BAM avait envie d'inviter ce dispositif pour parler des Chambériens et surtout de les surprendre.